L'humanité est confrontée à des enjeux majeurs pour garder une planète vivable. Dérèglement climatique, effondrement de la biodiversité, raréfaction de la ressource en eau. Face à ces nombreux défis, il est nécessaire que chacun puisse agir au quotidien dans toutes les sphères de la société. L'adaptation de nos modes de vie et de consommation passe par une éducation dès le plus jeune âge, notamment pour préserver et partager cette ressource vitale. Les explorateurs, c'est un parcours pédagogique pour sensibiliser les élèves du bassin versant du Couesnon à la préservation de la ressource en eau. À travers ce dispositif, nous souhaitons permettre aux futurs citoyens de comprendre les enjeux liés à la gestion de l'eau sur notre territoire afin qu'ils puissent devenir acteurs de sa préservation tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif. Au fil des séances, ils pourront explorer le monde de l'eau en s'intéressant à une diversité de thématiques. La finalité étant d'aboutir à une diversité d'actions concrètes proposées par les élèves afin de protéger l'eau au quotidien, que ce soit à l'école ou à la maison. Nous souhaitons que chacun puisse s'engager dans la protection de cette ressource vitale. Depuis 2001, le réseau d'éducation à l'environnement du pays de Fougères travaille avec une vingtaine de classes chaque année sur la thématique de l'eau. Le réseau éducation et environnement s'est toujours intéressé aux enjeux de l'eau en Bretagne et particulièrement sur le pays de Fougères. C'est un petit peu le fil rouge de notre réseau d'éducation environnement aujourd'hui, c'est inventer des parcours pédagogiques. C'était dans les années 2000 des enjeux autour de la préservation des zones humides, puis on a travaillé fortement sur la pollution de l'eau et les alternatives qui nous permettent de préserver cette ressource en eau. On a évolué progressivement vers le patrimoine lié à l'eau et les continuités écologiques. Aujourd'hui on est sur les enjeux de préservation de l'eau en qualité et en quantité, et c'est le projet explorateur qu'on développe désormais dans les écoles. En tant que collectivité, on s'appuie depuis maintenant une quinzaine d'années sur les éducateurs du REPF pour intervenir dans les écoles, et pour nous, ils contribuent vraiment à former les citoyens de demain, à leur faire prendre conscience que l'eau est une ressource fragile qu'il va falloir protéger, qu'il faut protéger et ne pas gaspiller. Depuis 2006, la commission locale de l'eau travaille sur les enjeux de notre bassin versant du Couesnon. Le programme Les Explorateurs permet de sensibiliser un public jeune et moins jeune avec leurs parents. Donc c'est un travail qui se fait sur un temps long, le temps nécessaire pour changer notre rapport à l'eau. Pour nous, c'est un programme qui a toute sa pertinence au sens où là, on va dans les écoles, on s'adapte au programme scolaire, on le prend en compte dans les besoins. Tous les animateurs sont agréés, ce qui certifie aussi la qualité de l'animation et de la pédagogie, et ce qui nous permet d'aller toucher en moyenne une vingtaine de classes par an, donc on arrive vite tous les ans à 400 voire plus d'élèves touchés, et donc sur une dizaine d'années 4000, pour nous c'est vraiment un programme qui est une réussite. Le parcours pédagogique Les Explorateurs se déroule sur 5 demi-journées d'animation. Le dispositif s'appuie sur les fondements de l'éco-formation en appliquant les principes des pédagogies actives et de l'alternance. Ainsi, tout au long des 5 demi-journées d'animation, les élèves vont vivre une diversité d'ateliers ludiques, sensoriels, scientifiques, pragmatiques. Autant d'approches pédagogiques pour que chacun puisse s'approprier cette thématique en fonction de sa sensibilité. Il y a deux séances qui sont un tronc commun qui nous permettent de découvrir le circuit de l'eau domestique, travailler sur les usages, les consommations d'eau et aborder les notions de pollution et comprendre l'impact de ces pollutions. Ensuite, on a trois séances qui permettent d'explorer une thématique choisie par les enseignants. On a une première version qui s'appelle les explorateurs de l'agriculture pour découvrir différents systèmes agricoles, leurs impacts sur l'eau et les alternatives comme la remise en place des haies bocagères. On a les explorateurs des jardins et espaces verts qui permettent de rencontrer des jardiniers, rencontrer des agents techniques dans les communes et découvrir et pratiquer les techniques de jardinage au naturel. Les explorateurs des zones humides qui permettent de comprendre l'importance de ces espaces pour la ressource en eau et la biodiversité, et puis de découvrir des espaces naturels sensibles qu'on a sur le territoire. Quatrième version des explorateurs, c'est les explorateurs des économies d'eau qui permettent d'agir au quotidien pour préserver l'eau.
et d'aller visiter des stations de potabilisation, des stations d'épuration et de travailler sur aussi les différents types d'eau potable. Durant cette aventure, ils pourront observer et analyser les différents usages de l'eau au quotidien, mener un diagnostic, découvrir des initiatives locales, échanger avec des acteurs, sortir sur le terrain, imaginer, expérimenter, comprendre pour proposer des solutions. Cette pédagogie de projet permet que chaque classe puisse choisir et orienter ses propositions en fonction de ses envies, ses besoins et des spécificités de son école. Ça commence en général par une rencontre avec les intervenants, donc pour que nous on puisse exprimer un petit peu l'idée qu'on a, l'orientation qu'on voudrait donner à notre projet. Et au final, du coup, ça permet de co-construire avec les intervenants le projet qui va prendre forme petit à petit. Donc de fait, eux, ils nous apportent ensuite leur expertise, mais en adaptant quelque chose vraiment à la réalité, aux souhaits de l'école. Donc c'est un projet vraiment personnalisé. C'est un programme pédagogique qui a été construit et qui est validé par l'Éducation nationale. Donc il répond aux compétences et aux connaissances qui sont visées par le cycle 3. On a souhaité adapter ce projet pour les cycles 2. Et on sait aussi travailler avec les collèges et les lycées en fonction des besoins et des demandes des enseignants. Le REPF a développé et créé des outils innovants spécifiques au bassin versant du Couesnon pour ancrer ce projet à l'échelle du territoire. D'autres outils ont été créés par le réseau français d'éducation à la nature et à l'environnement. Ces outils éprouvés et reconnus dans le milieu de l'éducation à l'environnement apportent une valeur ajoutée à nos projets. Grâce à l'engagement, depuis plus de 20 ans, des collectivités, des associations, du corps enseignant, des élèves, des bénévoles, des éducateurs à l'environnement, ce sont plusieurs milliers d'élèves qui ont été sensibilisés à l'importance de préserver l'eau. Autant de graines semées pour aller ensemble vers la protection de cette ressource précieuse. Nous finirons par citer cette phrase de Nelson Mandela qui traduit bien nos convictions. L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Ça leur apporte beaucoup. On le voit très rapidement dès la première séance avec tout d'abord l'implication des parents et de la famille. Ils discutent énormément avec leurs parents et on a tout de suite des remarques sur ce qui peut se faire ou ne pas se faire à la maison, au quotidien, à l'école. Dès qu'il fait quelque chose à l'école, en général, il en parle. Et là, sur l'eau, en effet, il faisait des petites remarques concernant, par exemple, de penser à couper le robinet en se brossant les dents ou des choses comme ça. Comme ça. Il a fait la remarque que bah, cette année, si on ne met pas la piscine, il comprend de ne pas mettre de piscine. Alors qu'est-ce que vous faites vous à la maison pour économiser l'eau? Bah, en fait, quand vos parents ils font des pâtes ouais. ou de la cuisine avec l'eau, ils doivent récupérer l'eau des pâtes pour arroser les plantes le soir. Parce que sinon, ça ne s'évapore pas. Ça s'évapore. Bah quand je vois pas tout mon verre, je mets dans une bassine et ça me sert à arroser les plantes. À la maison, on ne prend plus de bain. Plus de bain? Ouais. Tu te laves comment? Bah à la douche. Quoi? Et tu restes 2 heures sous la douche? Quand même pas. Ah. Je sais pas moi, 5 minutes.